Ce carnet de dessin, comme tous les carnets de De Gaulle, l'accompagnait absolument partout. Il l'avait avec lui, prenait des notes et également exécutait des dessins, à la fois des dessins préparatoires à des tableaux, par exemple, ou des croquis très enlevés, très rapidement exécutés, à la manière d'un caricaturiste parfois. Dans un de ces feuillets, on trouve effectivement des caricatures qui sont très surprenantes, notamment un double feuillet où l'on voit des caricatures de têtes qui s'accumulent sur la page, qui semblent déborder même de la page, de face, de profil. Et puis il y a des dessins beaucoup plus aboutis qui sont repris au lavis, à l'aquarelle, à la gouache, qui souvent représentent des paysages. Il y a notamment de très beaux paysages pris en Normandie.